les œufs, donc le vin, la sauce, bien sûr, forcément, à base de vin. Après, nous, on l'agrémente particulièrement, je vous dirai ce qu'on met dedans. L'oignon, les champignons et les lardons. Croûtons, aillé, voilà. Donc ça, c'est les bases. Donc nous, pour la sauce, elle est particulière. On fait une sauce spécialement pour ça. On fait un bouillon de volaille à base de vin rouge, de carcasse de canard et le rond de volaille. Donc ça, c'est notre bouillon. Après, on fait revenir des oignons, donc garniture aromatique, ainsi de suite, avec de la poitrine de porc, poitrine de veau. Et après, là, donc, on vient remouiller avec le bouillon de volaille, plus du vin rouge. Et là, on laisse cuire à peu près une heure et demie. Donc là, notre fond de base est prêt. Il suffit à la fin de rajouter donc une liaison. Donc nous, la liaison est faite au beurre manié. Donc beurre manié, farine et beurre. Et après, donc, on finit nous, avec une pointe de sang, simplement pour la couleur. On n'ait pas cet aspect vineuse, un peu violine, des fois qui peut être désagréable. Et puis voilà, donc après, on vérifie l'assaisonnement, on rajoute de la pulpe d'ail blanchi et la pulpe d'oignon doux. Donc là, vous avez la sauce. Le plus dur, c'est le pochage. En fin de compte, c'est de trouver les bons œufs aussi. Plus l'œuf est protéiné, mieux il va s'agglomérer, et mieux il va tenir, quoi. Voilà. Parce que c'est simplement une réaction chimique qu'on propose. L'acidité, la hauteur, la température et le fait de mouvements circulaires. Bon, faut pas s'affoler quand vous faites des œufs. Mais après, si vous simplifiez, si vous en faites plus à la maison, vous les cassez dans un récipient et ça fait la même chose. Si les œufs sont frais. Bon, l'origine quand même de l'œuf en merette, on pochait les œufs au vin rouge. Nous, on ne le fait pas. Parce que simplement au niveau du visuel, ils sont un peu. Ils ont une couleur bizarre. Donc voilà. Mais bon, l'origine, c'est ça. L'origine, c'est. Bon, après, il y a plusieurs histoires, mais la plus probable, c'est qu'à l'époque, on faisait du poisson au vin rouge, style matelote dans le bordelais. Nous, c'était un peu la pocheuse, donc la verdunoise au vin blanc, l'entreglace au vin rouge, avec le vin qu'on possédait. Et puis un jour, il n'y a pas eu de poisson, et la maîtresse de maison a poché les œufs à la place du poisson. Ah, ils sont bons. Ils sont meilleurs que les miens.